Bonjour, bonjour à tous, c'est heureuse de vous retrouver pour ces guides en ce mois de mai 2018, signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, hein, parce que c'est depuis, je dirais, la nouvelle lune, donc mi-avril, où on a été quand même pas mal secoué, là, remué, ça a été intense, ça a brassé quand même hein, pas mal émotionnellement. Perso, j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, j'ai pas pu vous faire de vidéo pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril. Là, au niveau du temps, c'était juste pas possible, c'était pas gérable. J'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là, on en avait une belle en plus, hein. On vient de sortir, on avait le Vésac et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne les guidances par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ce mois-ci, c'est les taureaux. Joyeux anniversaire aux taureaux. Ouais, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà. Et puis sinon, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants. Et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo. J'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent, à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça, après, c'est propre à chacun. C'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis bah, si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mis mon site internet en ligne, hein, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc, je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis, merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment, merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Alors n'oubliez pas de voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. En pensant bien que ces guidances sont généralistes, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tous les messages ne sont pas pour tout le monde, vous prenez seulement ce qui vous vibre. Comme à mon habitude, j'ai utilisé le tarot mythique en trois cartes, avec début, milieu et fin de mois. Et pour le message supplémentaire, on a changé d'ange, on est passé d'un cran au-dessus, on est passé aux archanges. Voilà, toujours avec Dorine Vertu. Donc, on va voir maintenant ce qui se profile pour votre début de mois. Alors ici, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on est plutôt dans les émotions. Hein. Généralement, les couples, c'est peut-être un lapsus pour la suite, on verra bien. Les couples, en tout cas, généralement, c'est des signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Donc, on peut penser ici que ça vous représente. Donc, ça peut être une femme, ça peut être une femme extérieure à vous et qui a ses qualités, ou ça peut être tout simplement l'énergie de ce début de mois. En tout cas, vous voyez, là, sur la carte, on la voit plutôt pensive, un petit peu comme si elle était nostalgique, comme si elle se sentait un peu seule et... Donc, il y en a peut-être certains qui auront comme ça un sentiment d'abandon. Il y en a peut-être même certains pour qui ce sera une séparation. Alors, ça peut être juste physique. Hein, ça peut être, par exemple, juste géographique à cause du travail
ou ça peut être vraiment une relation, ça peut être également juste une prise de recul. En tout cas, si c'est une séparation, ici, on vous dit que ça se fait de manière paisible, hein. C'est comme si vous arriviez à regarder calmement les enseignements que vous pouvez retirer, voilà, de cette relation qui a eu lieu. Pour d'autres, ça peut être un ancien amour qui pourrait refaire surface ou un désir, par exemple, auquel vous auriez pu renoncer. Il y en a d'autres encore qui pourraient peut-être se sentir tout simplement mis de côté. En tout cas, là on voit qu'elle, elle est plutôt concentrée sur le manque. Hein. Vous voyez, elle est en train de regarder une coupe, elle reste fixée dessus, et elle ne voit pas du coup les cinq autres coupes qui sont à ses pieds. Donc, il y a quand même des possibilités. C'est aussi quelque part pour vous dire que vous êtes peut-être fixé sur quelque chose. Là, a priori, ce serait quand même plutôt par rapport au passé, hein, alors peut-être des regrets, des choses comme ça, mais qu'il y a encore des possibilités qui sont là à venir et que ça serait peut-être bien justement de regarder un peu ailleurs, hein, revenir un petit peu au présent, travailler peut-être votre ancrage, hein, par exemple. Et puis sur un autre aspect, ça peut tout simplement être un moment où on n'a pas trop de sous, voilà, on n'est peut-être pas très bien financièrement, ou on vient de perdre un travail. Voilà, enfin, ça peut vraiment être différents cas. On va voir quand même ce que vous réserve votre milieu de mois, si on a un peu plus d'indications. Alors là, on a eu le 7 de denier. Alors, les deniers, là, on revient plutôt au niveau professionnel et matériel. Les deniers, alors là, ça serait plutôt des signes de terre, alors taureau, vierge ou capricorne. Là, on voit deux personnages, mais vous voyez, bon, si vous êtes une femme, on peut penser que c'est vous, ou peut-être inversement, voilà, si jamais vous êtes en couple, c'est peut-être l'autre personne, par exemple. Bon, ça, vous verrez bien selon vos cas. Alors, sur cette carte, vous voyez, là, il y a un taureau. Donc, ça peut être un taureau, hein, vu que ça fait partie des signes d'air. En tout cas, c'est un totem ici qui est là pour vous aider à avoir de l'ancrage. Bah, on en parlait juste avant, de l'endurance, de la volonté, une force tranquille, de la combativité, du courage, de la sagesse, qu'on évoquait aussi déjà avant, de la patience aussi, de la confiance en soi et pour certains peut-être aussi le développement de leurs dons, hein, ou de leur pouvoir personnel tout simplement. Et puis, c'est un animal qui est là pour vous parler quand même d'abondance, de paix et de protection, mais aussi de concrétisation. Là, il est temps de vous ancrer, vous, d'accord, mais il est temps aussi de le faire avec vos projets. Hein. Alors, on peut penser, si c'est vous qui êtes un homme, hein, par exemple, sur cette carte, ou si vous reconnaissez en tout cas là-dedans, là, lui, il est plutôt dans un confort, une sécurité, voire peut-être même une routine, mais pour laquelle il s'est battu. Hein. Donc, il n'est pas prêt à lâcher, lui, tout ça comme ça. Si vous êtes une femme, on peut penser, par exemple, que c'est vous qui allez faire une proposition à cet homme-là. Ou ça peut être une autre femme, enfin bon, ou ça peut être vous, tout simplement, à qui on vient faire une proposition qui peut paraître plus alléchante, mais également plus risquée. Ça peut être assez dur de vous décider. En tout cas, ici, on vous conseille bien de prendre votre temps, hein, toutes les données qu'il faut et de tout bien comparer si nécessaire avant de vous prononcer. Hein. Parce que le problème ici, c'est de savoir si on continue ce qui a été commencé ou si on doit mettre son énergie ailleurs. Hein. Donc, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, par exemple. Donc, maintenant, on va regarder votre dernière carte pour la fin de mois, et on a la reine de coupe. Bon, bah là, clairement, je pense quand même que c'est vous, hein, la reine de coupe. Hein. On revient, vous voyez, à nouveau dans les émotions. Donc, on est vos signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc, ça peut être vous ou une autre femme qui a ses qualités, ou à nouveau, tout simplement, l'énergie du moment. Vous voyez, elle est bien verte, hein, cette carte. Hein. On était plutôt dans le bleu en début de mois avec le 6 de coupe. Là, on est dans le vert, donc c'est plutôt l'énergie de la guérison, de l'abondance. C'est pareil, hein, elle est sur un trône en or, elle a une couronne, une coupe et une pomme qui le sont aussi. Bon, donc là, ça vous parle quand même plutôt de bonne santé financière, voire même physique. Hein. Donc, peut-être que le 6 de coupe, il y avait peut-être
pas de manque si réel que ça, mais en tout cas, vous, vous aviez cette sensation parce que vous aviez envie, entre guillemets, de regarder seulement un aspect et pas tout le reste. Hein. Donc la reine de coupe, elle est magnifique, elle est mystérieuse, hein, elle dégage beaucoup de séduction, ça peut même être un fantasme hein, pour certaines personnes, elle a un côté aussi introverti, réservé, stable, secrète même. Hein, et puis elle symbolise vraiment le monde du féminin sacré, hein, cette femme, elle, il y a l'idée de magie, de magnétisme. C'est une femme qui attire malgré elle, hein, presque, j'ai envie de dire. En tout cas, quand elle passe, c'est pas inaperçu. Hein. Et puis, elle fait tout ce qu'elle veut, elle, sans être contrainte. Elle a bien son pouvoir créateur en main, c'est elle qui décide. Elle est plutôt dans la poursuite de ses rêves, donc ça serait pas une mauvaise chose, hein, parce qu'en début de mois, du coup, vous aviez l'air un petit peu fou, down là, comme ça. A priori, en fin de mois, c'est bon, vous êtes à nouveau debout. Hein. Et puis sachez que bon, elle, quand elle aime, hein, c'est jusqu'au bout. Hein. Alors ici, avec cette carte, je pense qu'on vous invite un petit peu à revenir à votre univers intérieur, avec votre cœur aussi. Hein. Ce sera peut-être pas mal de travailler un petit peu ce chakra-là. Si vous êtes une femme, ça peut vouloir vous dire que vous avez peut-être privilégié un aspect peut-être plus pratique ou maternel, à défaut au détriment d'un autre. Hein, et que là, il est temps de réveiller justement un petit peu les autres parties de votre être que vous aviez mis peut-être un peu de côté, tout simplement. Et puis si vous êtes un homme, ici on vient vous inviter plutôt à l'introspection, à sortir de la pensée rationnelle hein, et à vous ouvrir un petit peu à vos émotions. Oui, puis je suis en train de me dire, là, la première carte c'est un 6, la deuxième un 7, on finit par une reine. Donc voilà, c'est une progression douce. Doucement mais sûrement, voilà. Maintenant, on va regarder ce que vous avez eu avec les archanges. Alors, l'être aimé, l'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Bon, comme on est beaucoup dans les coupes depuis le début, ça ne m'étonne pas trop quand même hein, que vous ayez eu cette carte. Donc, pour ceux qui sont en couple, a priori, vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Et puis pour ceux qui sont célibataires, n'hésitez pas à invoquer cet archange pour qu'il vous aide justement dans votre quête ou à trouver justement cette personne. Ici, Samuel, il vient vous demander d'entretenir des pensées d'amour et de réaliser des actions aimantes. Hein. Voyez, là, si vous êtes une femme, et ça peut être vous également, c'est elle hein, qui fait la démarche d'aller vers l'autre. C'est pas... Vous verrez bien, peut-être qu'il y a des gens, ça sera à l'inverse, mais bon, ça se présente quand même plutôt comme ça pour moi. Là, on vous demande de ramener un peu plus de romantisme dans votre vie, hein, de faire un petit effort si vous préférez. Là, il vient vous dire de travailler hein, sur le chakra du cœur. Alors, vous pouvez travailler avec une fluorite, par exemple. Alors, moi, ici, c'est une fluorite arc-en-ciel, donc elle n'est pas complètement verte. Hein. Il y a de la gâte mousse ici, ce qui ressemblerait peut-être plus à une fleurie verte. Sinon, il y a un quartz rose pour aider au niveau du chakra du cœur. Et puis, n'hésitez pas à invoquer Samuel, hein, parce que lui, il peut vraiment vous aider. Alors, je pense aux célibataires, par exemple, à tomber en amour avec votre existence. Parce que sachez que si vous ne vous aimez pas vous ou si vous n'aimez pas votre vie, ça va être plus dur d'attirer à vous quelqu'un qui va vous aimer. Et puis Samuel, vous soyez en couple ou pas, de toute façon, il peut vraiment vous aider à vous soigner. Alors, vous soignez d'anciennes relations comme vous soignez vos relations actuelles. Du coup, je comprends mieux pourquoi on a eu la carte que je vous ai postée sur le groupe et sur la page sur Facebook avant. On a eu Isis, vie antérieure. On parle beaucoup de passé hein, quand même depuis le début. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Attendez, je vais la mettre là. Hein. Donc Isis, c'est une déesse lunaire égyptienne. Hein. C'était une très puissante prêtresse. Elle fait partie aussi des plus puissantes déités. Elle, c'est le féminin sacré. Hein. On y revient encore. Ici, elle vient vous dire que certains peuvent peut-être se sentir paralysés à cause de mémoires cellulaires qui vous empêcheraient d'avancer.
Hein. Ça peut être autant dû à des vies extérieures que ça peut être vous hein, aussi qui avez peut-être décidé d'ensevelir certaines choses pour vous protéger, par exemple. Les scorpions, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des dons psychiques à la base, qui les ont eus et qui ont peut-être décidé de les mettre de côté pour ne pas souffrir ou ne pas les gêner parce que vous êtes vraiment très sensible, vous ressentez extrêmement bien les choses et je peux comprendre aussi que des fois ce soit pas toujours facile. Mais Isis ici, elle vous invite à venir déterrer et déraciner tout ça là, hein, pour faire un petit peu du ménage. Parce que en enterrant certaines choses pour vous protéger, vous avez malheureusement aussi enterré les leçons avec, hein, parce que vous avez tout mis dans le même truc. Du coup, vous pouvez vous sentir bloqué malgré vous, alors que vous voudriez tout simplement avancer, donc n'hésitez pas à l'appeler hein, pour vous aider un petit peu sur ce chemin. Alors maintenant, je vais vous donner les diverses significations qui sont données par cette carte. Pour certains, procédez à une régression dans vos vies antérieures afin d'acquérir une meilleure compréhension et d'obtenir des réponses. Pour d'autres, ça peut être des peurs anciennes provenant d'une vie antérieure qui refont surface en ce moment. Vous avez déjà connu dans une vie passée cette personne au sujet de laquelle vous vous posez des questions. Votre situation actuelle a un rapport avec un problème vécu dans l'enfance. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon mois de mai. Hein. Prenez le temps un peu de sortir du passé, de trouver ce qu'il y a à déterrer pour pouvoir avancer, puis pour pouvoir redevenir là une belle reine de coupe, beaucoup plus sûre d'elle et qui est beaucoup moins chahutée, si on peut dire ça comme ça, par ses émotions, hein, qui a beaucoup plus de maîtrise, si vous préférez. Et puis, j'espère que s'il y avait des soucis avec votre amoureux ou amoureuse, ça va s'arranger. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Samuel et puis à Isis hein, pour régler ces histoires de vie antérieure. Et puis, pour d'autres, vous pouvez aller faire un soin par rapport aux vies antérieures. Alors, il y a de l'hypnose, il y a aussi des soins d'énergie qui sont faits pour ça. Voilà. Allez faire ce qu'il faut en tout cas. Voyez peut-être aussi l'histoire du féminin sacré parce que là on est quand même en plein dedans. Merci d'avance à tous ceux qui mettront des commentaires, likeront et partageront. Et puis encore un bon mois de mai à vous tous et au mois prochain les scorpions. Au revoir!